Bonsoir à tous, c'est Skyrad, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Minecraft RPG. Bon, j'ai un petit peu amélioré la maison par rapport à la dernière fois, parce que sinon je pense qu'on aurait eu, pour très longtemps. Donc j'ai rajouté une moitié d'étage, on va dire, un escalier plutôt vite fait. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça, et surtout j'ai fait plein d'escaliers, j'ai bien pris du bois et tout ça. Et donc là, on va continuer un peu ce qu'on avait commencé déjà. Alors, est-ce qu'on va mettre une petite fenêtre ici? Donc la fenêtre. Une petite ouverture, quoi. Et j'ai pris plein de sable pour en faire du verre. Donc là, on a plein de verre du coup. Et ça, c'est pratique parce qu'on en avait bien besoin. Ça, on va l'enlever pour l'instant, on verra si jamais ça manque de trous, on fera des trous. Voilà, hop hop, donc là voilà, on va faire comme ça, et puis évidemment je pense que notre lit et tout ça ce sera ici. Bon, la maison est quand même vachement grande, si vous avez regardé la saison 1 de Minecraft RPG, et bien tant mieux, et ben vous verrez que c'est la maison ici est quand même vachement plus grande. Donc bon, tant mieux, hein, en même temps on aura de quoi faire. Ah zut, il faut toujours que ça m'arrive. Et donc on va finir le toit et puis après on ira transférer les coffres. Enfin non, je vais transférer les coffres, je pense, au prochain épisode. Parce qu'on, comme ça, enfin vous aurez pas à voir des trucs encore plus inutiles que cette construction de maison. Que cette vidéo elle-même en même temps. Voilà, vous serez prévenu. Enfin, vous êtes prévenu maintenant. Et je pense que j'ai vachement pas assez d'escalier en fait encore. Oh là là. Et j'ai peur de pas avoir assez aussi de cobble. Et ça, ça craint. Parce que il va falloir les miner et tout ça. Et j'ai vraiment pas envie. Ouais, on en aura peut-être assez en fin de compte. Mais ce sera. Oui, 20. Alors, bon. Je pense qu'on en aura assez, du coup. Mais c'est pas sûr. On va voir. Alors, il en faut une là, là. Ouais, en fait, il se peut qu'on en ait assez. Voilà. Bon. Voilà. Là, on fait la deuxième partie du toit qui va monter bien haut d'ailleurs, je pense. Donc, oh putain, c'est pas. Oh, c'est chiant. Bon, voilà. Voilà, on va remonter une 50e fois. Voilà. Et on va continuer à mettre les escaliers. De toute façon, je vais sauver un petit peu de. Ouais, j'en ai 8, donc ça me fait 4 escaliers en plus. Ouais, bon. On va dire qu'il y en aura assez. Hein. Hop. Bon, je vais faire un côté pilote parce que sinon on s'en sort pas. Voilà. Voilà. On va faire comme ça. Donc ouais, c'est plus une grange qu'une maison, mais moi je trouve le côté, enfin vu qu'on est en plein milieu de la forêt et tout, ce serait très sympa. Vous verrez. Alors, on va faire l'autre côté parce que je sais pas trop où ça va se rejoindre. Fuck! Oh, fait chier! C'est pas vrai! Ah, non, ça fait mal! Je disais bien qu'il y avait un truc bizarre avec le côté du truc. Bon! C'est ce côté-là qui est faux. Super. Voilà. En fait, il fallait le décaler de un bloc. De ce côté, voilà. Bon,
ça au 5 septembre. Voilà. Donnez-moi des objets gratuits sur TF2, bien sûr. Mais oui, bien... non, mais ne vous gênez pas. Hein. Non, mais il y en a vraiment qui demandent ça. Enfin, pas qui demandent ça, mais bon. Enfin, sur Team Fortress, en tout cas, des fois, t'as des gens qui s'arrêtent. Ouais, c'est mon anniversaire, pouvez-vous me donner un objet gratuit? Non. Sûrement pas. Donc voilà. Et j'insulte ces gens-là, n'est-ce pas? Ça rend évidemment la communauté meilleure. Insulter les gens. Hein. Oui, c'était bon à savoir. Zut. Bon, alors comment je vais faire pour ça? Un truc comme ça, peut-être? Ouais, peut-être. Ouais, ok. Bon, j'ai plus de bois. Ça craint. Ouais, un truc comme ça, ça pourrait être sympa, mais... Voilà. Là, c'est mieux. Ensuite, là, on met des petites barrières, ou limite, un truc, des escaliers comme ça. Non, ouais, il vaut mieux des barrières. Et comme ça, on a un petit toit. Voilà. Et là, ouais, ça fera un truc un petit peu plus sympa. Bon. On va prendre du bois, de toute façon maintenant on n'est pas obligé d'aller se cacher dans la forêt quand il fait nuit, donc tant mieux. Et on va prendre plein de bois, plein, ouais, j'ai plus de pousses d'armes moi, zut. Enfin, j'en ai planté plein, tu vas me dire. Bon, de toute façon on en aura après. Je balance l'œuf sur le premier zombie qui vient, je vous préviens. Puis il y a des daims qui rotent là à côté de moi, c'est super. Ouais. Qui rotent ou qui font je sais pas quoi d'autre. Bref. Donc, vous êtes pas mal à suivre l'aventure, hein, c'est plutôt sympa, mais bon, je sais que si jamais, par hasard, il y a un article qui est fait sur Minecraft France, peut-être que c'est déjà fait, hein, peut-être que ça a même été fait dès lundi, ça aurait été, ce serait cool. Ouais, alors là, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que sinon, ça va être moche, là, si je dois... Si j'y laisse comme ça, donc je vais faire comme le côté là-bas que vous n'avez pas vu. Je vais faire un truc magique qui va pour me permettre de générer un saucisson aléatoirement. Voilà. Je suis un scientifique. Hop. Escalier de mes deux. Ouais, on en aura encore plus. Enfin, on aura besoin d'un petit peu plus d'escalier que ça quand même. Ouais, 6. Allez. Voilà, 6. Voilà, hop. Donc, je vais faire c'est à ce niveau-là à peu près. Ouais, donc je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. On va faire un truc comme ça. Ouais, voilà, un truc comme ça, c'est très bien. Bon, on verra là. On va faire un truc, voilà, comme ça. Hop, et voilà. Comme ça. Bon. On relie les deux trucs. Voilà. Donc là, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Si ça se trouve, c'est pas du tout potable. Je les ai mis comment les escaliers, moi? Dans le mauvais sens, évidemment. Non, je ne sais pas trop. Ah ouais, mais ce que j'ai fait, en fait, ça servait à rien, du coup. Enfin, ouais, bon. Hop, allez. Voilà. Toujours plusieurs solutions à un problème. Bon, et bien voilà. Donc là, on va. Ah zut, j'aurais dû faire des bâtons encore. Il n'y en a plus, c'est pas grave. J'avais mis à combien de distance celui-là? 1, 2, 3. Ok, bon, on va faire pareil ici. 1, 2, 3. Voilà là. Non, tu ne tombes pas. Sûrement pas. Voilà, hop, hop. Il faut laisser quand même des petites roues pour l'aération. Des petites roues, toujours des petites roues. Hop. Comment j'avais fait moi déjà? C'est comme ça. Doucement, doucement. Voilà. Il y a des zombies, mais de partout. Enfin, on les entend pas très fort, hein. Ils sont pas très... Ils font pas trop de bruit là, mais je les entends un tout petit peu.
Donc, je ne sais pas vous, peut-être que vous entendez juste un énorme grésillement du casque, enfin, au micro, et c'est pas de ma faute, c'est de la vôtre, d'abord, hein. Et je n'y suis pour rien. Mais en tout cas, il y a des zombies par là, enfin dans la forêt, il y a plein de zombies en fait. C'est toujours été comme ça. Les zombies aiment les forêts. Et là, oui, on va faire comment du coup? On va faire pareil là. Il me faut du bois de toute façon. Donc, ouais, et là aussi. Là et là. Et il faut du bois. Enfin, du bois en bloc de bois, quoi. Parce que c'est un peu long ça aussi. Moi j'aime bien ces escaliers tournés là comme ça, penchés et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Ils ont bien fait d'y rajouter. Ça rajoute un peu, enfin des trucs en plus, plein de possibilités. Puis les toits comme ça, on n'est pas obligé de les faire en mode je sais pas quoi, enfin en mettant des trucs bizarres dans les angles. Ce qui dénaturait complètement le truc d'avant, vous voyez. Donc c'est bien sympa ça. Alors, ça fait un toit bizarre hein, quand même. Même très bizarre. Je crois même que. Ouais, en fait, il faut le mettre comme ça, ok. Donc là hop, ça continue comme ça, là je vais remettre encore une fenêtre, et là je fais une ellipse pour aller prendre du bois parce qu'on n'en a plus, c'est parti. Rue, alors, ça y est, je me suis même fait des petites barrières, voilà, que je suis en train d'installer sur les fenêtres, enfin sur les fenêtres, sur les petites ouvertures. Voilà, donc théoriquement ça devrait mieux aller maintenant, ça par contre, il faut cacher le trou. Voilà, là c'est mieux. Bien. Donc j'ai encore 13 morceaux de bois. Donc cela on n'en a pas besoin. On va faire des escaliers. Voilà. Hop. Je pense qu'on aura largement ce qu'il nous faut. Voilà. 40 escaliers, c'est parfait. 8. Ah ouais. Non, ça devrait aller. 3 et 3, 6. Ah non, peut-être pas, non, ça ira pas. Je vais voir ce que je peux faire. En fait, il me faut. Ah oui, il faut ça aussi également, des petites dalles. Oh, allez, c'est reparti pour un tour. Hop, 1, 2, 3. Voilà, ça fait 6. Je sais compter, c'est super. Voilà. Ça fait que je suis en train de tourner. Depuis combien de temps je tourne? J'espère que c'est pas trop trop long. Voilà, hop. Je vais pas en avoir assez. C'est pas vrai. J'arrête pas d'aller reprendre du bois, quoi. C'est pénible. Bon,
Ce que je vais faire, c'est que quand je vais arrêter l'épisode, je vais tout faire hors caméra parce que c'est plus possible. C'est bien mieux comme ça, je pense d'ailleurs. Enfin, regardez en tout cas, elle commence à avoir un petit peu de gueule. Bon, il manquerait. Je pense qu'il manque quand même une fenêtre, mais on va voir si j'en rajoutais une ou pas. Il manque une fenêtre au milieu. Enfin, dites-moi si vous avez des propositions hein, quand même, hein, des trucs à mettre dans la maison. Évidemment, je vais faire une cave hein, et tout ça. Un truc au trésor aussi comme dernière saison, mais bon, on va voir. Alors on va continuer déjà ça avec les fenêtres, là c'est bien chiant à mettre. Voilà, parfait. Là. Plus grand chose quand même à mettre. Je vais faire une ouverture de ce côté là quand même. Et boum. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc en gros ça va ressembler à ça, mais évidemment là c'est pas décoré, ça rien du tout. Donc bon. On verra. Ouais, là j'ai rebouché de toute façon parce que j'ai plus de place. Non, mais j'ai vraiment plus rien quoi. Ah, vive les reclassages comme ça. En plus, j'ai utilisé plein de bois à faire des boutons inutiles. Bon, on va faire un dernier truc du coup. Voilà, 12. Oh, c'est un peu plus que prévu. Ouais, c'est vrai, 6 et 6, ça fait 12. Bon, 1. Voilà. On va mettre ça. Alors, je sais pas trop jusqu'où on va pouvoir aller comme ça. Voilà, on va faire ça. Et là, oh, c'est une fois de plus. Enfin, c'est haut de un bloc en plus. C'est embêtant, parce que ça me fait toujours un truc comme ça, c'est pénible. Bon, comme vous pouvez le voir, on a quand même vachement avancé, quoi. La maison est immense, mais elle aura vraiment la classe après, je préfère vous le dire hein, parce que non, ça ressemble pas à grand chose, et puis j'ai rajouté des fenêtres et tout, enfin des trous en tout cas ici, là, là et là, il y aura des vitres, mais bon, tout ça ce sera dans le prochain épisode parce qu'on s'arrête là pour l'instant parce que je suis fatigué, parce que le son du casque me fait atrocement mal aux oreilles, puis je vais vous dire un petit peu quand même ce qui va se passer après. Donc là, je pense faire un petit chemin en cobble qui va monter ici. Bon, j'ai un peu farmé aussi avec la pelle. Là, on va couper les arbres et puis on aura droit à une superbe vue, je pense. Voilà. Quand on aura coupé les arbres, voilà, on aura une vue un peu comme ça sur toute la zone. Et ce sera assez sympa comme petit chemin. Enfin là, on peut le voir un peu, il est déjà un peu tracé en quelque sorte. Je vais également faire donc là l'étang, je vais remplir tout ici tout ça avec de l'eau et puis mettre des cannes à sucre, et également faire un chemin en forme de sous forme de tranchée, bon un peu agrandir la zone ici quand même, et faire une tranchée ici qui va passer là là et ressortir par ici pour ensuite faire un chemin qui mènera jusqu'aux ruines à peu près là par là bas voilà. D'ailleurs, on va jeter peut-être un petit coup d'œil, n'est-ce pas? Ouais, donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des spawners, voilà, et quand on approche, pouf, ça se transforme de la viande. Super. Ah oh! Ah non, 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 je suis pas prêt. Non, non, non. On va te faire foutre. Ah! Toi aussi. Je t'ai jamais aimé depuis que t'es né, toi. Voilà. Et ensuite, le zombie fut blessé à vie et dû se rétablir après environ 40 ans de psychiatrie. Eh, c'est super ça. Des trucs. Ah ! Ok. Bon. Ce que je propose, c'est de faire des choses. Ah oui, c'est vrai, il y a des lampes et tout là en plus. Ah punaise. Bon, les zombies ont l'air un petit peu débiles, mais il me semble pourtant que j'avais pas mis le. Enfin, zombie là-dedans. Je voulais pas que ce soit des zombies en plus. Bon, c'est pas grave. Ils sont en train de brûler, ils sont contents. Bref.
on s'arrête pour aujourd'hui, hein. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Minecraft RPG, je vous préviens, ce sera de mieux en mieux au fil des épisodes. Pour l'instant, on fait les trucs de base, donc c'est un petit peu répétitif, évidemment, mais je n'ai pas le choix, parce que j'ai décidé de filmer une grande partie de ce que je fais. L'autre partie est évidemment la moins intéressante, donc je la filme pas. Et puis on va se coucher, hein, on va manger du pain comme la 14e fois de la journée, au moins je risque pas de manquer d'amidon. Mais par contre le côté carence pour le reste, là par contre, ça pose un petit problème. Bien, salut à tous, c'était Skyran, on se retrouve dans le prochain épisode, yeah! Et n'oubliez pas de mettre des commentaires, salut à tous!